ici Anne à Bilan, on se nourrit que du bon. Depuis quelques temps donc, ça fait vraiment, je ne sais même pas si ça fait un mois, j'ai commencé à tester une alimentation dite keto qui est très très populaire, très en vogue de nos jours. On en parle beaucoup beaucoup et parce que j'entendais beaucoup beaucoup parler de keto, je me suis dit ok, je vais tester ça aussi, j'ai rien à perdre. Et donc aujourd'hui en fait, je voudrais partager avec vous une recette que j'ai lu dans un livre. Donc en fait, je vais donner le crédit à cet auteur parce que c'est dans ce livre là de Simply Keto, c'est l'auteur et enfin le livre c'est Simply Keto. Et donc dans ce livre là, elle a une recette de gaufres avec des pépites de chocolat. Donc ça change un peu lorsque on veut pas toujours manger les œufs chaque matin. Si vous voulez faire des gaufres, quelque chose de différent, vous pouvez donc essayer ça. Ce que j'aime beaucoup avec le keto, c'est que vous pouvez avoir diverses variétés de choses que vous avez avec du gluten. Vous pouvez avoir des crêpes, des pancakes, des waffles, des gaufres comme on va voir aujourd'hui, des pains, et même des croissants. J'ai une recette avec comment faire des croissants keto et vraiment c'est absolument fantastique de pouvoir avoir ces options là et ça fait que ce sont des choses qui nous manquent pas vraiment. Si on veut vraiment manger ces choses, on peut avec keto, mais c'est seulement au niveau des ingrédients que ça différencie, que ça change. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va commencer donc avec cette recette. Donc je vais jeter un coup d'œil de temps en temps sur ma tablette pour voir. Et donc en fait, pour la recette, il faut une tierce de tasse de farine d'amande. La farine d'amande, c'est une farine très très utilisée dans les recettes keto parce que c'est sans gluten et c'est léger. Donc c'est ça, la farine d'amande que j'ai. Et il y a aussi un petit peu de farine de noix de coco. J'ai tendance un peu à dire le mot en anglais parce que la recette est en anglais devant moi. Donc on a une demi cuillère de farine de coco. Donc j'ai ma farine de coco qui est ici. En fait, je l'ai acheté à Bell Bond, c'était au comptoir, donc c'est pas une boîte ou... Donc je l'ai là, je vais juste mesurer une demi cuillère comme ça de noix de coco. Et nous avons aussi donc la levure qui est là et nous avons deux œufs dans cette recette, deux œufs, nous avons la vanille qui est là. Donc, nous avons quelques gouttes de stevia. Donc, j'ai la stevia en liquide ici. Et nous avons aussi des pépites de chocolat keto. Ça, c'est keto, absolument keto. Donc, il faut faire attention lorsqu'on veut. On peut en manger un peu de tout, mais il faut s'assurer vraiment que c'est keto. Donc, ça, j'ai commandé en ligne. Voilà. Donc, la recette dit on mélange tout, sauf la pépite de chocolat qu'on va mettre à la fin. Donc, on va donc commencer par la farine d'amande. La farine d'amande, j'aime tamiser un peu parce que souvent dans la farine, ça fait un petit peu de boule. Donc, j'aime un peu passer au tamis pour que ça ne fasse pas de boule. Donc, je passe au tamis. Moi, c'est comme ça que j'aime faire en fait. Et là, c'est vraiment lisse. À la fin, on n'a pas du tout de boule dans sa recette. Donc, donc ça c'est le une tierce de tasse de farine d'amande et nous avons demi cuillère de farine de coco. Donc on va mettre ça, juste demi cuillère et puis un quart de teaspoon cuillerée de baking powder. Donc de poudre à pâte. Donc j'ai juste un quart, pas beaucoup. Et ensuite on va mettre les deux œufs. Les deux œufs, un et deux. Deux gros œufs. Ça je pense que c'est extra gros, mais bon, la recette dit deux gros œufs. Et nous allons mettre la vanille, l'extrait de vanille. Un quart, on va utiliser la même parce que c'est la même mesure. Un quart de cuillerée. Voilà. Et pour les stevia en liquide, on a dit ici 4. Donc on va essayer de compter ensemble. Est-ce que c'est tombé? 1,
2, 3 et 4. Parfait. Ça, c'est un édulcorant. Donc, ça remplace le sucre, en fait. Donc, le gaufre va être sucré, mais pas avec du sucre blanc. Donc, c'est un édulcorant qui est assez bon pour la santé. Et je pense que c'est tout. Donc, on va mélanger tout ça. Allez, un peu plus vite. Je trouve ça un petit peu liquide aujourd'hui. Parce que j'ai déjà eu à faire la recette, mais les autres fois, ça me semblait un peu plus lourd. C'est peut-être les œufs, parce que les œufs, c'est souvent des extra gros au lieu de gros. Et bien mélangé. Qu'il n'y ait pas de goulot du tout. Et donc, là, je pourrais mettre une cuillère de pépites de chocolat keto. Une cuillère. J'ai ma cuillère là. Une cuillère. Normal. Là, c'est les pépites de chocolat. Et voilà. Donc c'est tout, c'est terminé, c'est vraiment très très simple. On va avoir ce mélange là et donc je vais de ce pas cuire dans le gaufrier et je vais vous montrer à la fin comment ça se présente. Donc voilà le gaufre qui est terminé. Donc vous pouvez voir comment ça se présente ici. Donc voilà, avec des pépites de chocolat. Ce que je peux dire comme constat après avoir fait cette recette, c'est que je trouve que 2 œufs dans cette recette, c'est beaucoup. Surtout peut-être parce que mes œufs c'était des œufs extra gros, donc peut-être que parce que c'était trop gros, non, la pâte a été assez liquide, donc ça s'est versé dans le gaufrier. Donc je peux conseiller pour les œufs, si vous avez des œufs extra gros comme ceux que j'ai utilisés, c'est mieux de mettre juste un œuf. Comme ça, la pâte va être un peu plus lourde, pas trop liquide. Mais si ce sont des petits œufs, là, vous pouvez utiliser 2 œufs. Mais sinon, la recette, c'est ça. À la fin, nous avons vraiment des gaufres. Excellent. J'ai déjà eu à faire ça. Et vraiment, c'est la première fois que ça se verse. Donc, bon, c'est ça. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, ça change un peu. Donc, petit déjeuner gaufre keto. Merci et à bientôt. Bye.